Salut, c'est Maui. Première vidéo sur les ingénieurs, suite de la série de 10 épisodes de comment bien débuter une partie. Alors, ici, comme on a débloqué les ingénieurs, de nouvelles ressources ont apparu. Première chose à s'occuper, c'est ceci, le béton renforcé. Alors, le béton renforcé, pour ça, comme vous vous rappelez, on a conquéri cette île pour y faire tout ce qu'il fallait pour la boîte de conserve, et on y trouvera du calcaire, le gisement de calcaire pour faire du ciment. Voilà. Là, il va nous demander des ouvriers, donc on va tout simplement ici, voilà, construire 3 maisons d'ouvriers pour pouvoir subvenir à la main d'œuvre nécessaire. Ensuite, on va simplement venir dans cette route de commerce, de conserve là, et on va y ajouter à la frégate le ciment. Voilà. Donc il va apporter le ciment ici. Et maintenant, là, on va construire une cimenterie. Pour ce faire, il faut bien regarder que ceci, c'est 30 secondes, là, c'est 1 minute. Donc un gisement peut se satisfaire largement de cimenterie. Toutefois, il est aussi marqué « amélioré par l'électricité », mais il n'est pas marqué « l'électricité nécessaire et obligatoire ». Donc on va le faire sans électricité puisqu'on n'en a toujours pas, d'accord ? Donc nous allons mettre notre cimenterie en route ici, et on sait qu'on va pouvoir en alimenter 2. Donc on va largement pouvoir en construire 2 dès qu'on aura reçu les fenêtres nécessaires. Voilà. Donc on va laisser ça tourner et on se retrouve tout de suite après. Voilà, nous revoilà. Alors on a fait tourner le temps juste pour avoir les ressources nécessaires pour bien développer. Donc pour l'instant... Et bien maintenant, donc on a bien construit le deuxième, d'accord, on n'a rien bougé, on a monté les ressources ici, pour en avoir assez pour la suite. Alors, je sais qu'on est en facile, qu'on peut déplacer les bâtiments, mais cela ne coûte absolument rien, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est ceci. Alors, comme j'ai dit, on a délibérément, si vous regardez dans les débuts des vidéos, mis des ressources qu'on va devoir bouger de place pour voir un peu comment ça se passe pour tout le monde. Donc ici, on a recopié l'intégralité de ce qu'on avait là, d'accord, et maintenant on va détruire tout ça. Parce qu'on va y amener, bien entendu, les usines, d'accord? Donc, pour ce faire, on va apporter ça là où on va mettre les prochaines usines ou déplacer les suivantes. Alors, le journal, modifier le journal, on a encore assez de points, réduction de consommation, argent et bonheur, voilà. Donc l'argent, on a toujours maintenu, mais sachant quand même que ces 2 bâtiments coûtent 400 pièces, et ça tient toujours la route. Alors, ce qu'on va faire, c'est maintenant déplacer ceux-là ici pour se faire de la place. Comme ils coûtent plus cher, on les déplace à la main. Ça, on va provisoirement les mettre ici, qu'il soit d'accord. Ça, on va remettre là parce que sinon, elle ne va pas utiliser les bonnes ressources. D'accord? Donc, on déplace tout pour préparer l'arrivée des usines. Là, la même chose. On va prendre une pipette, on va copier. On va mettre les ressources pour faire des planches. On va enlever ça. Voilà. Alors. Ici, on va prévoir à l'avance. On va faire un trou. Comme je vous avais dit, c'était provisoire. Donc là, on fait un petit trou et on va déjà préconstruire ce qui va venir ici. Donc ici, on sait qu'on va avoir un port pétrolier, lequel on va mettre en préconstruction. On va pas le construire maintenant, sinon ça va utiliser les ressources qu'on a besoin, d'accord? On va donc refermer ici pour être tranquille, faire ça joli. Ok. Donc on s'est chopé un incendie, je sais pas trop où, ici. Est-ce qu'on a des pompiers par ici? Normalement, on devrait avoir des pompiers, mais je vois qu'on n'en a pas beaucoup. Nous en manque, on va toujours en rajouter un là, pour éviter d'avoir une blague. Alors. Maintenant qu'on a tout ceci d'installé, on va enlever même les usines à bois là, tout ça, ça sert pour moi plus à rien. On va progresser comme ça. Bon, maintenant on va apporter des usines qui vont pouvoir bénéficier de l'électricité. Je sais, on l'a pas encore mis, je sais, mais c'est pas grave. On prévoit à l'avance, on prend la corporation, celle-là on va l'utiliser pour mettre d'autres PNJ dessus plus tard, donc autant la mettre à la bonne place. Après, on va mettre un entrepôt là. ici avec des pompiers pour être tranquille. Comme ça, on continue la série tranquille. On en ramène ce qu'on a mis là tout à l'heure, à savoir nos cimenteries. On va leur laisser un espace à nos cimenteries. Donc ceux-là, on prend le temps de les déplacer parce qu'ils coûtent plus cher. On va pas non plus se ruiner. On a pris une partie en facile exprès pour montrer à tout le monde. Donc là, je rappelle qu'on n'a toujours pas utilisé ni exploité les DLC. Ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc on a ça. Maintenant, on sait que les usines à machines à coudre, on sait aussi qu'elles vont avoir besoin d'électricité plus tard. Donc on va déjà les ramener. On déplacera les autres usines après. On va venir mettre ça là et ça là. Il faut gagner beaucoup de place parce que on va pas pouvoir mettre 50 millions de choses en début de game. Ça sert à rien de se ruiner. Vaut mieux comprendre comment les choses tournent. Voilà. Donc on a mis ça ici en prévision de la suite. Bon. Donc maintenant on est allé chercher du béton et pour ce faire, pourquoi on a pris du temps pour aller chercher du béton? Tout simplement. Parce qu'il va falloir construire des nouvelles infrastructures. Alors, les nouvelles infrastructures, c'est assez simple. On va devoir y amener du béton. Donc, à quoi on va s'attaquer? Bien, on va s'attaquer aux lunettes. Comme on le voit, on a besoin de 10 de béton pour chacune de ces ressources, le zinc et le cuivre. On a besoin de 10 pour le laiton et encore de 10 pour les lunettes. Donc ici, rien que là, on sait qu'on a besoin de beaucoup de béton. Donc, on va lancer une de chaque. On sait que ici, on va avoir tout simplement le cuivre. Donc on va amener le béton nécessaire pour mettre une usine de cuivre. On va regarder où elle est. La plus proche, elle est là. Ça tombera parfaitement avec ceci. Surveillez quand même bien la main d'œuvre entre temps, parce que sinon ça n'ira pas. Comme vous voyez ici, 10 de béton. On va même avoir besoin de briques. Hein. On n'a pas de bol. On n'a pas de bol, on n'a pas ramené de briques. Donc on va aller chercher de la brique aussi. Voilà. Donc là, on va avoir besoin de ça et encore de 25 de main d'œuvre. Donc on sait qu'on va devoir augmenter la population ici dans le coin. Sinon, ça ne marchera pas. Et là, on va évoluer ceci. Et voilà. Alors, le bateau est arrivé, d'accord. Hop. On reprend un peu de briques, on va reprendre un peu de planche tant qu'à faire, et on revient ici. Et normalement, le reste, on a assez, puisqu'on a encore des fenêtres et des poutres. Donc, on va venir chercher le dingue ici. Alors, en attendant, on va aussi construire un bateau, parce qu'on va avoir besoin d'un bateau supplémentaire, parce qu'il ne pourra pas tout acheminer, puisque l'autre a déjà plus d'emplacements, puisque les 3 emplacements sont déjà pris, et celui-ci l'escorte. Donc, c'est pas la peine d'aller plus loin. On va construire 2 bateaux, le bateau de transport et le bateau d'escorte. Ici, il nous montre qu'on a un manque de 50 ouvriers pour conduire ça correctement. On va faire ça comme ça. Ça comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ah, vous n'avez soi-disant pas de route vers le marché. Voilà. Et normalement, c'est bon. Voilà. On a assez d'ouvriers. Donc ici, on est arrivé, voilà, on décharge, on va pas en décharger trop, on va en décharger un petit peu plus en cas d'incendie, voilà, et normalement, on va pouvoir la construire. Ça y est, celle-ci est en haut. Alors, après, on va aller à l'autre île où se trouve le zinc, cette fois, et on va faire exactement la même chose. Alors, le zinc, il est ici, il n'est pas trop loin, c'est génial. On va le prendre comme ça, on va activer ceci. Peut-être même l'enlever et du coup remettre le bâtiment là. Je pense qu'ici par contre on va avoir besoin de fenêtres. Ici ils ont un manque de fenêtres évident. Donc ça ne marchera pas tout de suite, mais on va quand même aller décharger ici les ressources nécessaires. Pendant ce temps là, ben voilà, les navires se construisent, hein, il n'y a pas de souci. Là aussi on va mettre 20. En cas d'incendie, on aura réparé les bâtiments. On va ramener toutefois le béton qu'on a de trop, parce qu'au début, on n'en a pas des millions de tonnes non plus. On va devoir prendre des fenêtres. Alors, là, on voit qu'on a 900 artisans. On en a trop pour le moment pour ce qu'on veut faire. Donc, on va agrandir la zone. Sans vider ses ressources, ce serait bien. Voilà, là on a bien débloqué les ingénieurs. Ok, donc là il nous faudra 3000 pour débloquer la banque, mais on n'y est pas encore. Ce qu'on voulait, c'était avoir suffisamment d'ingénieurs, déjà pour récupérer de l'argent, et se développer correctement. Donc ici, on va aller chercher ce qui manque pour l'autre côté. Hein. On va lui mettre 20 fenêtres, ça ira très bien. Et on revient ici. Voilà. Pendant ce temps-là, bah, les bateaux se produisent. Bientôt fini. Puisqu'il leur arrive à cela, on a pris une épidémie, ok. C'est pas de bol. Donc on va privilégier la main d'œuvre ici pour finir le bateau. Voilà. Alors là c'est arrivé, ok. On décharge les fenêtres et c'est fait. On va pouvoir construire le zinc. Le zinc est en route. On a assez de main d'œuvre pour gérer. On n'a pas besoin de s'occuper du reste. Ça c'est bon. On peut s'en aller et revenir ici. Bon, alors là, eh bien, on va mettre ici, hein, les. Voilà. Et on va déjà commencer à créer la route. Créer une route. Route de commerce. Non, merci. Ici, ici, et tu décharges là. Donc ici, tu vas venir chercher forcément le zinc. Là, tu vas venir le cuivre. Maintenant, tu prends le zinc et tu décharges tout. Là. Voilà. Et on va prendre donc la frégate qui est ici. Elle est partie. Ah mais non, c'est pas de bol, c'est pas celle-là. Non, 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 non. Voilà, les ici. Voilà. Et toi, tu vas l'escorter. Donc maintenant, on a un bateau qui n'escorte plus personne. Parce qu'on a cassé sa route de transport. Il est où? Celui qui n'escorte plus personne. Il est là. Ouais, lui il escorte, lui il escorte. Et malheureusement, c'est lui qui n'a plus d'escorte. Voilà. C'est parti. Donc là, on va acheminer les ressources nécessaires pour commencer à faire du laiton. Ok. Donc maintenant, on a construit un de chaque. Et avec ça, on peut faire 2 fonderies de laiton. Donc on va apporter les 2 fonderies de laiton ici. 1, 2. Voilà. Là, on va venir faire comme ça. On va déplacer forcément les usines qui étaient ici. Parce que l'objectif après, c'est d'amener l'électricité. Donc ils vont produire 2 fois plus avec le même nombre de main d'œuvre. Donc on va pouvoir gagner la main d'œuvre par la suite. Donc là, on en a 2. On en déplace qu'un. Puisqu'on y amènera l'électricité. Donc toutes les usines qu'on laissera là-bas. Eh bien, on n'en aura plus besoin. C'est pas de bol. On a un chemin qui est ici. Voilà. Donc là, on prend nos canons. On a 2 usines aussi, donc on n'en déplace qu'une pour l'instant. Hein. On n'a pas besoin de se précipiter. Hein. Là, 1, 2, 3, 4. Donc on va en déplacer 2. Ok. Qui auront l'électricité. Donc ils auront aussi 2 fois plus de production. Avec la même main d'œuvre. Voilà. On aurait pu faire la même chose pour les machines à coudre, mais comme on va quand même rapidement passer au niveau supérieur, ce serait idiot de faire ça. Bon, donc là, on les a remis ici. Et maintenant, ils vont acheminer tout doucement les ingrédients pour faire du laiton. Voilà, le laiton va pouvoir être en marche assez vite, toujours sans électricité. D'accord ? Maintenant, ici, on sait qu'on avait besoin d'une université pour là, on l'a déposé ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va exploiter la place qui reste pour produire tout simplement les lunettes. Je sais, certains vont me dire, on peut optimiser, etc. C'est pas le but de cette partie, du moins de ce début de game, de lancer des optimisations, etc. etc. Ici, c'est bien montré comment on développe. Donc là, on a déjà préparé les 2 usines. On va attendre simplement que le laiton tourne correctement. Non, on n'y arrivera pas. N'oubliez pas les fenêtres. On va pas oublier la verrerie, d'accord? Donc là, on en avait mis 2, ici 2. Là, on s'arrange bien de voir qu'on en a remis un 3e au minimum. On peut même lancer déjà les 4 ici, tranquille, pour la suite. Hein. L'argent ne bougera pas et les lunettes vont faire leur taf. Donc normalement, on devra avoir les ressources nécessaires pour lancer les lunettes. Voilà. Alors, ensuite, on va un peu regarder, c'est pas l'objectif de cette vidéo de m'expliquer tout le chemin de fer, mais rien ne nous empêche même de lancer. Ok. Donc là, on va essayer de partir sur le principe de faire 3 et 3 dans les ressources. Donc là, on voit qu'on pourra faire 3 et ici, on pourra faire 3. Donc on va faire 3 et 3, d'accord. C'est pas la peine de changer votre bois. Donc là, on met déjà les infrastructures nécessaires. L'avantage, c'est qu'ici, on n'a pas besoin de trop de ressources, ok. Mais on voit qu'on va manquer d'ouvriers. On a besoin de 10 de béton, donc c'est bon, on les a. Ici, on va avoir besoin de 15, donc c'est bon, on les a. Alors, de nouveau le journal. Eh bien, le journal, même chose, réduction de consommation, argent et bonheur. Ensuite, on va devoir construire une centrale qui, elle, consomme 25. On aura donc... on va faire quelque chose de très simple en début de partie, c'est-à-dire qu'on va amener l'électricité pour doubler la production de tout ça. Et être tranquille. Ce qui veut dire qu'on va même pouvoir, normalement, éliminer celui-ci, mais... après ça. Donc on va tout simplement construire une route de chemin de fer qui va de là. Voilà. Et là je pense que c'est pas compliqué pour qui que ce soit. Et on va créer une route de chemin de fer de là jusqu'ici. Ok. Ouais, mais là on va déjà... non, on va laisser comme ça. Sinon, vous allez être perdu pour après. Donc, on va construire ici. Voilà. On va construire la centrale. Et la zone pétrole. On n'évolue rien du tout. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Là, il va aller chercher le pétrole tranquillement. Comme vous avez vu, je n'ai pris que 3 puits. On expliquera plus tard pourquoi. Et il va acheminer le pétrole ici. Ce qui veut dire que tout ça va doubler en production. D'accord ? Donc 100% de productivité, il va amener l'électricité, vous allez voir que ça va devenir très sympa. Voilà, donc toutes les usines qui sont ici vont doubler leur cadence. Donc ce qui veut dire que toutes celles qui sont ici, on va pouvoir les éliminer. Et récupérer bien entendu une main d'œuvre conséquente. Voilà. Donc là, on a fait quelque chose de très simple avec le train. On a simplement amené de l'électricité sur une centrale pour être tranquille, pour doubler la production, récupérer de la main d'œuvre. Certes, on a perdu un peu d'argent. Mais maintenant, tout ceci est relativement efficace. Maintenant, on va se rendre compte que ceci nous en manque. Hein. On n'en a qu'un pour tout ça, c'est pas assez. Donc on va en mettre un deuxième. On va se permettre d'évoluer en deux. On va aussi venir ici pour l'évoluer. Voilà. Et les lunettes vont être en distribution quand on aura bien entendu construit le bâtiment qui manque. Hein. Ah. Donc tout ça, c'est sans les lunettes, c'est-à-dire sans le bénéfice que va rapporter les lunettes. On met du béton un peu partout. Regardez, là. Il dit qu'il n'a pas accès là. Oh, le pauvre, c'est vrai. Donc si je mets ça là, c'est bon, il y arrive. Et lui, il n'y arrive pas. Oh, pauvre chéri. Voilà, on va faire ça, et du coup, ça devrait régler le problème. Ah. Ah, ben non. Donc, on va faire plus simple. Pour l'instant, on va le mettre là, d'accord. Voilà. Et maintenant, les lunettes sont en production. L'électricité, ici, fonctionne. Et là, on a les lunettes. Qui vont être livrés. Et vous pouvez constater que l'argent va du coup remonter à nouveau. Je dois simplifier mes instructions aux ouvriers, sinon ils trouveront encore une bonne raison de se plaindre. Voilà, ça c'est la fin de cette première vidéo pour les ingénieurs. On a mis le béton, on a lancé l'usine, on a vu quelques nouvelles ressources. On a mis de façon basique l'électricité en marche pour les usines qu'on avait besoin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça développe la chaîne. Moi, ça me fait très plaisir. À très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!